Du festival Sefara de Moria, mais on célèbre quelque chose au-delà de ça. On célèbre la convivencia, qui est, c'est la convivance, c'est pas la convivialité, c'est la convivence. C'est au-delà de la tolérance, c'est vivre ensemble. En arabe, on dirait le ta'ayush. C'est un festival qui va durer à peu près 10 jours. On va célébrer des musiciens à travers le monde. On va voir Amina Alaoui ici, une bonne chanteuse de Renati, une élève de Pirou bien sûr. On va célébrer des chanteurs du Portugal. En fin de compte, on est en train de célébrer quelque chose d'unique, quelque chose qu'on prend parfois pour acquis ici à Montréal, mais qui n'existe pas partout. On vit ensemble. Et on vit ensemble, on ne tolère pas ensemble, on vit ensemble. C'est le vrai ta'ayouch entre les trois religions abrahamiques, le judaïsme, la chrétienté et l'islam. Et on vit ensemble ici à Montréal. On a demandé une fois, Jacques Attali, où vous croyez et Cordoue aujourd'hui? Je crois qu'il a voulu mettre un petit twist, il a envoyé quelque part en Turquie, mais je crois que c'était ici à Montréal. Honoré ce soir avec la présence de la consul du Maroc ici, qui vient d'arriver d'ailleurs, Marhaba Biha. Et puis voilà, alors on est vraiment. Au-delà de ça, c'est la musique qu'il a dit elle-même. On a vraiment été emportés et éblouis par la splendeur de ce spectacle qui s'est proposé de nous véhiculer des messages forts et des valeurs d'amour, de liberté. Et de cohabitation. Et les artistes ont également, à travers leurs belles prestations, nous ont montré combien il est facile de cohabiter
Et quel que soit leur lieu de résidence, leur confession, leur tendance, ils ont un dénominateur commun qui est l'origine marocaine. Le Maroc y a toujours prôné, sous les instructions clairvoyantes de Sa Majesté, les valeurs et le discours de la tolérance, de la coexistence, mais aussi de la cohabitation entre les religions dans la paix et dans la parfaite harmonie. Bravo à nos artistes et toutes nos félicitations aux organisateurs de ce festival Séparade au Canada, qui est un rendez-vous très important. Et bonne continuation pour le reste du programme. J'ai quitté mon pays. J'ai quitté ma maison. Ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. C'était une merveilleuse soirée, chantée avec Anwar Berada. Je pense qu'on doit faire beaucoup, on doit chanter beaucoup plus ensemble et montrer au monde entier c'est quoi chanter, regardez, un arabe et un juif. C'est vrai qu'on est, du même pays, mais je pense que ça va beaucoup approcher les cœurs un à l'autre. Et je pense qu'on doit vraiment bravo à la Fédération Séfarade qui transmet ça chaque an. Et ils emmènent un juif, un arabe et j'apprécie et je pense que je vais venir beaucoup ici.
C'est un immense plaisir de participer au Festival Sefara de Montréal. Je remercie tous les organisateurs de cet événement et je tiens à remercier la grande artiste et compositrice Katia Makdisi-Warren pour tous ses efforts pour la réussite de ce beau spectacle. Et c'est un honneur pour moi de diffuser le message de la paix à travers la musique andalouse et le chant spirituel qui nous réunit sous le thème de l'amour, la sécurité et la paix.